S'il croit gagner, très bien. Les Boches nous connaissent pas. Il suffit qu'on soit dos au mur pour qu'on se batte bec et ongle, jusqu'à la mort. Cette ville, Amiens, n'est pas bien loin des champs de bataille de la Somme. Des champs gorgés de sang britannique. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. C'est marche ou crève cette fois. Tout le monde le sait. Les Français, les Canadiens. Les Australiens, les Néo-Zélandais. Les troupes des Indes, tous nos alliés. Mais pour l'instant, on est seul, le dos au mur, face à l'élite des Boches. Nous devons coûte que coûte défendre la ville d'Amiens. Accrochez-vous au point labyrinthe dans les ruines, là. Si nous perdons cette position, nous devrons nous replier au pont neuf et le construire. Tout de suite! Sortez du véhicule! Une trousse de secours pour toi!
Quels sont nos ordres, sergent ? Thank you.
capturer l'objectif. Mitrailleuse ennemie, par là! Char ennemi, repéré! Dépêche-toi de monter! Let's go.
Au travail, soldats! Nous avons gagné! Les Allemands repartent comme des chiens battus. Mais ce n'est pas terminé. Remettez vos bottes et préparez-vous à un nouvel assaut! Thank you.
objectif. Nous avons perdu Amiens. La croix de fer s'élève sur les toits, et le soleil se couche sur l'Europe. Nous devons négocier la paix, mais ils détiennent toutes les cartes. La voix de Britannia s'est tue. Si l'Allemagne s'était emparée du nœud ferroviaire d'Amiens, les armées de l'Entente auraient été divisées. Et si Paris était tombé, la France n'aurait pas tardé à capituler. Dans ce cas, la Grande-Bretagne aurait dû chercher une trêve, le temps de mettre au point une autre stratégie. Cette situation aurait sûrement influé sur l'issue de la guerre.